Salut bien-aimés, je voudrais aujourd'hui vous parler de dons spirituels. Très important. Qu'est-ce qu'un don spirituel? En fait, selon 1 Corinthiens 12, c'est la qualification donnée à chaque chrétien en vue du service dans le cadre du corps du Christ ou l'Église. Un exemple. Les dons de sagesse, dons de la parole de connaissance, dons de la foi, dons des guérisons, dons des miracles, dons des prophéties. En fait, le don des prophéties, je voudrais souligner, le don des prophéties est totalement différent de l'appel prophétique. Tu peux avoir le don de la prophétie, mais tu n'es pas prophète. Juste une parenthèse. Alors, quel est le but des dons spirituels? Selon Éphésiens 4, 16, premièrement, c'est pour l'utilité commune ou le bien commun, selon 1 Corinthiens 12, 7. Deuxièmement, pour préparer le peuple de Dieu au service de l'édification de l'Église. Troisièmement, pour servir les autres, 1 Pierre 4, 10, le don spirituel. Le troisième point ou le but du don spirituel, c'est pour servir les autres. Lorsque tu as un don spirituel et tu t'enorgueillis, le don là va fonctionner, mais il n'y aura pas l'onction de Dieu qui va accompagner le don. Parce que c'est toi qui es mis en exergue, c'est toi qui es mis à l'étiquette. Tu ne sers pas les autres. Pourtant, le don spirituel, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres, pour servir les autres. Alors, est-ce qu'un don spirituel peut être dysfonctionnel? Le don spirituel ne peut jamais, en aucun cas, être dysfonctionnel selon Jacques 1, 17. Le don de Dieu est parfait. Mais à certains moments, à certaines occasions, c'est l'homme qui, participe dans le dysfonctionnement de don spirituel. Comme la Bible le parle, la Bible parle du pain avec levain. Le pain était supposé d'être cuit sans levain. Mais le levain ou la levure vient et la levure fait bomber la pâte. C'est ce que l'homme fait pour que le don spirituel soit dysfonctionnel. Or, le don spirituel n'a jamais été donné à l'homme pour qu'il soit dysfonctionnel. Alors, nous avons besoin des pains sans levain. Et voyons un peu les dons les plus... Oui, je voulais dire... je voulais parler brièvement des dons les plus pervertis au sein de l'Église. Nous avons, je répète, les dons les plus pervertis au sein de l'Église. Il y a le don de la prophétie, il y a le don de la guérison, le don des miracles et le don de la parole des connaissances. Ce sont les dons les plus pervertis. Je pèse mes mots, je dis les dons les plus pervertis au sein de l'Église. Aujourd'hui, le don de la prophétie est pris avec toute légèreté. Or, l'Église a besoin de dons de la prophétie parce que nous voulons entendre ce que Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église. Les dons des miracles, nous en avons besoin. La Bible déclare, voici. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons besoin des miracles. Alors, nous avons aussi besoin... Les dons de guérison, nous avons besoin des dons des miracles, de la parole, des connaissances. Mais à la fin, ces dons sont vraiment pervertis. Pourquoi? La réponse est simple. L'homme voudrait être à la page. Par le Saint-Esprit, c'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui nous donne l'habilité de prophétiser. C'est lui qui nous donne l'habilité de libérer la parole des connaissances. L'homme, il y a du végétariat le végétariat est entré au sein de l'Église à cause de ces quatre dons spirituels. Le don de la prophétie, le don de la parole des connaissances, le don des miracles, le don de la guérison.
Ceux-là qui portent ce don pensent que ce don c'est pour eux-mêmes, pour qu'ils deviennent des vedettes. Or, le don spirituel ne te fait pas une vedette. Il n'y a pas de vedette dans les choses de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Un point, un trait. Toute personne qui opère par le don et le miracle, et il devient une star ou une vedette, comme beaucoup le disent au sein de l'Église, il n'y a pas pareille chose. Vedette, il n'y en a pas. Alors, peuple de Dieu, les dons que Dieu nous donne, c'est pour l'édification de l'œuvre de Dieu. C'est pour que l'Église avance, l'Église soit forte, solide. Parce que lorsque Christ reviendra, qu'il trouve une Église sans tache ni défaut, une Église forte. Que le Seigneur vous bénisse, utilisez les dons spirituels. Oui, Église, utilisons les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Dieu nous a fait confiance, le Saint-Esprit nous a fait confiance et il nous a donné ses dons pour le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. En conclusion, une bonne intendance des dons spirituels fera de sorte que l'Église grandisse spirituellement et numériquement. Il y aura de l'ordre et le respect mutuel. Car chacun travaillera ou va opérer selon le don qui lui a été donné. Je répète, en conclusion, une bonne intendance des dons spirituels fera de sorte que l'Église grandisse spirituellement, numériquement. Il y aura de l'ordre et le respect mutuel au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que chacun va travailler selon le don qui lui a été donné. Chacun va rester dans le couloir du don qui lui a été donné. Il n'y aura pas de dérapage, il y aura du respect mutuel. Et lorsque nous mettons tous les dons ensemble, l'Église fonctionne, l'Église grandit, l'Église devient de plus en plus forte. Il y aura de la maturité parce que chacun a compris le fonctionnement ou l'importance du don qui lui a été donné. Ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Alors, toi qui as le don spirituel, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'utilité commune. C'est pour que quelqu'un d'autre en bénéficie. Alors, ne t'enorgueille pas. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as le don spirituel. Utilise cela pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et que l'Église reste forte jusqu'à ce que Christ reviendra pour prendre son épouse qui est l'Église. Soyez tous bénis.